histoire ya Congo démocratique mboka na biso batata ba mama bandeko bilenge to pesi bino mbote peto tonde same na esengo ya koyeba te bozalaka penza ebele awa na Congo démocratique bozali ebele na mikili ya Afrika pe na mikili ya poto ba bozi bongo elengi ya kolanda masolo ya je connais le Congo to pesi bino penza mbote lelo zeri bongo 26e épisode masolo na biso ezele kokoba elongo na mwana mboka Thomas Luakalo Saint-Jola molakisi o azele kosonga biso pona koyeba na bola mopenza histoire ya Congo démocratique mboka na biso honorable Thomas Luaka mbote na yo mbote mingi ndeko Florin oyo bozali komona na nzela ya etandweke ya biengami na kombo ya Thomas Luakalo Saint-Jola azali secrétaire général ya Mouvement de Libération du Congo MLC Azraki président ya Assemblée nationale awa na Congo démocratique mboka na biso avocat na baro ya Kinshasa Gombe Thomas Luaka député honoraire Yoana Mototo Yambi pona kokoba masolo na biso ya je connais le Congo mbote na bino banso ezra na parti est ya Congo démocratique du pays wapi bozale kolanda masolo mabiso et monsieur uti koleka to sukisaki na déception ya maréchal Mobutu na ndenge makambo lekaki na cité de Loia esika likitana ya suka esalemaki kasi lokola monsieur zale ko mata to zale ko kende liboso lelo to kolobela penza makambo ya tina minei tele boso to kota la déception ya général Mayele évolution situation na Goma tango bitumbe bandi ezalaki ndenge nini peli wa ya général Kisasa Ngandu le kakiboni Angola ayaye kokotra bitumba wana denge nini pe bato baye maréchal Mobutu abengaki pona kosunga ye kati na bitumba oto bengi ba mercenaire ya maréchal Mobutu honorable masono na biso yango na kanesi mitema ya bana ya Congo démocratique ezali ya kosepela pe kobeta balingi baye ba masono denge le kakito suka kina déception ya Mobutu lelo tulingi tokota na déception ya général Mayele azraki déçu na le kambonini merci mingi ndeko Flori mais nakanisi liboso tokende libo to avancer na émission na biso nazaki na moi juste remarque moke ya kosala na 25e épisode na biso tango lekaki o tolobaki ndenge makambo ya bitumbe bande koleka na zwaki occasion ya kobenga mato message kozwa message penga moko na sola ki na ina telephone ya général Baramoto général Baramoto ayebisi biso ke alanda kabiso na je connais le Congo asepela kanango mingi mais na 25e épisode azalaki na moi ba correctif ya ko apporter to ba remarque ya kosala ya ngaki avant au 26e épisode n'a pesa quelques remarques au général Baramoto a pesa ki par rapport à 25e épisode yali boso général Baramoto alobi ye akota na armée azaki enrôlé na armée le 6 juin 1964 akota ki armée na tango ya Kasavubu donc azali soda ya kala peut-être bato épisode wana baye baka yango et loko ya mibale alobi na kati ya émission tolobaki à un moment kingwandi et comment ki ko utiliser babane ko utiliser kingwandi na kati ya armée alobi ezali ya lokuta ye abane ko utiliser kingwandi te parce que ba officier na emingi o bazalaki na tangwana ya bitumba afdel ko commander ba axe bazalaki bangwandi te apesi ba exemple ya général Mulamba ya général Mulimbi ya général Lukama alobi bazalaki bangwandi te moyena tinde la bango ba message na kingwandi ezalaki te et loko ya misatu alobi ke tolobaki na kati ya émission awa ke pouvoir ya maréchal ezalaki partagé na groupe mibale Kengo Adondo na quatre officiers ototangaki alobi ya tikali ko partager pouvoir ya Mobutu te ye a participa ki na pouvoir ya maréchal Mobutu comme militaire et puis azalaki loyal na chef donc ndenge biye balakisaki na musala ya soda loyauté na chef loyauté na ba institution et puis loyauté na mboka et puis remarque ya suka salaki
momoko to utiliser qui bande de 4 pour na koloba groupe ba 4 généraux na amona ki yango ezala ki neti injurieux na lingi na sala remarque ke ezali moana ezali yangaite na zo ki yango na bakatia babuku ona tanga ki entre autres ya Honoré Nguanda. Donc voilà moi parenthèse na lingi na fongola pena kanga rapidement par rapport ya 25e épisode échange na zo ki na général Baramoto yango peto toloba katango nyonso masona biso tango to sala ka yango. Tango mosusu makambo tokoko loba mwa libako koko zala to tiaka numero na biso na sewa na pona kubenga biso kopesa pe makanisi yo ndenge mwana mboka Baramoto asali pona kusunga mbala sima to bongisa histoire na biso ke ndependa na ndenge we longo bani pe numero na biso to baka tango se zali wana 081 541 45 22 yangwana na se etande ke soko bengi biso makanisi kitoko ko pesa lokola mwana mboka sali e ko sunga biso lo to ko tana masona biso moko na lo honorable lelo to ko bandana no to mona ki ndenge nini général Mayele azali désigné le 19 décembre non le 19 décembre 1996, chef d'état-major général, le 20 décembre, maréchal Mobutu a été présenté dans la presse internationale, à l'obi Mokondia Mapinga et Sikayeyo, et puis juste quelques jours après nomination, d'après le témoignage, il y a Bato Bazali qui n'a pas quoi, non, Maël Azali déçu. Maël Azali déçu pour Nanini, Azali déçu, il y a Liboso pour na maréchal. Maréchal, c'est la Kinini. Maël a considéré que président Mobutu azali sincère na été. Azali sincère na été pour nanini. Alobi voilà. Ngai nazali chef d'état-major général ya phase. C'est-à-dire que nazali ko commander ba unité nyonso ya armée. Sikoyo alobi tala exemple. Ngai na pesi ordre na général Ndimbi. Azali commandant ya DSP. Division spéciale présidentielle. DSP Zali était ni à phase, donc Zali n'a qu'à y à phase. Nana Zali Mokondi Nzimbi. N'a pas eu ordre pour Nanini. Nzimbi a tient à disposition Nangai, stock yaba arme, nama mama sasi, ou Azali Namona ki Bomango, pour Nana Salabitumba. Nzimbi a boycotté Sangai, Nzimbi a ebisingai ke. Ngai na kupesa yo materiel wana te na kupesa minduki te na kupesa yo masasite yo kende kosolola na maréchal maréchal ne apesa nga ordre directement sikoyo maréchal ake général Mayele ake kumona maréchal aibisie voilà ngai nazali na pesi ordre et pas général Nzimbi aboyi ko exécuter ango alobika ka yo moko mute fo eto sai. Maréchal Mobutu ABC Mayele alobi non Nzimbi azali na obligation il faut to sayo il faut pe so matériel wana. Conclusion ya général Mayele. Mayele alobi que non Mobutu président Mobutu à l'époque a bandi makambu na ye ya ko diviser bato. Ba je wana ya maréchal na ye biango depuis kala. Po a régner les couleurs bato. Ya solo alingi ko diviser bato pona ko régner. Ezalaka technique moko maréchal banda ko utiliser na tango wana ya kala ko opposer ba collaborateur na ye ko opposer ba partenaire na ye po ye adondo ka likolo. Donc alobi ngai na lembi na ba comportement na ye bi ke ye moto azali ko entete. Général Nzimbi a pesa nga ngote pa na nga azali ko sala semblant comme si Nzimbi aza ko to sanga ite. Donc biloko wana nga na lembi ce qui maréchal a continuer boye ngai na ko démissionner wana déception ya Liboso ya Mayele par rapport ya général et pas ya maréchal Mobutu déception ya mibale ya général Mayele ezali par rapport au gouvernement par rapport au premier ministre Kengwa Dondo na ministre ya défense babengi ye à l'époque comme naye Likulia gouvernement et cela qui est nini gouvernement Mayele aza ko considérer que batwana mibale c'est-à-dire Kengwa Dondo na général Likulia bazali ko bloquer ba paye ya ba soda na ba prime de guerre oyo ba prometa ki toujours bazali ko libérer yangote azali lesusu ko se plaindre na fait que ba dossier ba mercenaire to komona dossier ba mercenaire sima ezali ko échapper ye totalement ezali ko échapper totalement désordre moko s'installer na kati ya armée parce que chaîne ya commandement ezali lesusu respecter te général Mayele akoya lesusu ko constater que ba matériel militaire oyo bazali ko pesa ye ezali adapté te ba ko pesa ye minduki boye masasi ezali ko convenir na minduki wana te donc vraiment situation est commis compliquée c'est la confusion
conséquence nango na terrain kuna situation ezali ka ko se détériorer situation ezali ko beba ba militaire afdel na ba ali na bango bazali ko avancer na terrain et puis sikoyo wana situation déception général maele après quelques temps na la fin du mois de décembre fin à décembre 1996 maréchal a décidé à Longwa Kinshasa à kende Guadolite pour na ko fêter ba fête ya fin d'année na famille kuna na Guadolite. Donc maréchal a kei na Guadolite mais Kolongwa Longwa Kinshasa au moni ninga ba yamba ki le 18 donc yemuka lobi nanu ba yamba nga bo ete na Kinshasa les temps wana sikona fin du mois na décembre mobutu Longwe Kinshasa pour à kende Guadolite à Mobutu Longwe Kinshasa dans l'indifférence totale ya population parce que population ezali déçue ba moni ayé atana solution mokote na ba préoccupation na bango to récapituler ango lisusu préoccupation ya population ezala ki fin ya gouvernement Kengo na retour ya Tshisekedi Tshisekedi azongite Kengo adonda zaka premier ministre et puis il fallait tant Mobutu ayé a déclenché contre-offensive foudroyante et totale oyo général Likuli abané ko promettre et lokomoko salamité donc population azali déçue na maréchal Mobutu a komi na Guadolite tant a komi na Guadolite ba fête leki malamu le 6 janvier 1997 maréchal Mobutu ayambi na Guadolite président Arap Moi azali président ya Kenya oyo bapona kiye na cadre yena Mandela donc Arap Moi ya Kenya na Mandela ya Afrique du Sud comme ba médiateur na kati ya conflit congolais na sommet ya Nairobi 2 tokomona tangu tokobanda chapitre ya ba négociation Nairobi 1 ezalaki nini Nairobi 2 ezalaki nini Mobutu akopesa Arap Moi dossier mobimba oyo azali ko lakisa ba preuve ya implication ya Uganda ya Rwanda, ya Burundi, na ya Angola, na kati ya bitumba ya Zaire. Alobi voilà bato ba mboka oyo ezali ko agresser mboka nangai et maréchal Lissou se pa ya Arap Moi a ko évoquer implication ya ba américain na sima ya Afdel. Le 9 janvier 1997 na 6h30 maréchal a ko zwa avion na ye a longwe na Guadolite po na nini Mobutu azongi na France parce que ba minganga na ye ba bengiye il faut azonga po akene ko sala contrôle médical donc voilà le 9 janvier Mobutu azongi les sous na France population à prendre que Mobutu azongi na poto donc population ezali très déçue parce que les mbipa mbate sport na bango et loko moko e salamité to kanise kitango yako yako sala miracle et loko moko e keite maréchal atiki mboka les sites le 6 janvier ndenga kutaki yango le 18 décembre tanga utaka poto tangu bayambaki makasi na tango wana maréchal azipo pepo akena Nice pona kosala contrôle ndenge minganga basengaki alors évolution ya situation na partie est principalement na Goma ezalaki ndenge nino honorable na Goma kuna tokomona makambo mibele leki na Goma na mois ya janvier na fin décembre janvier ya liboso ezali restructuration ya Afdel to monaki yango Afdel ezali plateforme l'Afdel bakoya koorganize du 31 décembre 1996 ti na le 4 janvier 1997 baye koorganize deuxième session ya conseil constitutif na bango na kati neti mwa mini congrès na bango na kati ya conseil constitutif wana na session wana bakozwa ba résolution ebele mais to ko retenir quelques résolutions résolution to ba décision oyé kozwa makuna décision ya liboso ba quatre mouvements oyo fondateur ya Afdel to yebi yango lisusu PRP hein le 18 octobre basalaki na remera quatre mouvements sanganaki basali Afdel donc ezali PRP ya Laurent Désiré Kabila CNRD ya André Kissa Sengandu ADP ya Bouguera na MRLZ ya Masasu Nindaga. Donc, Baeko décidé que les quatre mouvements on a fusionné et comme un mouvement moko Afdel ezali sous plateforme était et comme un mouvement moko na à partir ya le 4 janvier wana. Donc, décision liboso fusion à ba mouvement. Deuxième résolution, Laurent Désiré Kabila azali désigné président ya Afdel. Poliboso tomonaki na lemera azalaki porte-parole.
décision ya misato Deogracias Bouguera azali désigné secrétaire général ya mouvement. 4 André Kisase Ngandu ye baponi ye comme commandant en chef ya ba force ya Afdel. Et puis, décision moussousou, et l'engue moko abane ko traîner autour à Laurent Désiré Kabila, à quoi qu'on soit fonction officielle, kombo na ye Bizima Kara Mueto, à quoi qu'on koma ministre y affaires étrangères, à l'époque, Nagoma babane ko benga on ba commissaire. Donc, à komi ministre y affaires étrangères. Wana et Zali, congrès session y a Afdel Oetiko Salam. Événement ami balé. Tokoya komona na Goma ezali liwa ya général Kisase Ngandu. Très bien honorable. Na kanisi tokobe na sika oyo bandeko ebele penza babandaki kozela koyeba histoire ya liwa ya général Kisase Ngandu ndenge yango ezalaki mais tokolingana to mekana koyebisa biso ye moko nano Kisase Ngandu. Azalaki penza nani auta wapi asala nini po ya kobima kwasa na kati ya Afdel. Merci mingi ndeko. Donc André Kisase Ngandu azali originaire ya Manyema, azali ya ekolo babengi bakusu pona bokusu kolo bakaka bokuse bakusu bazali o babenga ka batetela ya Manyema. Wow. Donc bazali bande kwa batetela bango bavanda na rive droite ya rivière Lomami, batetela otobenga batetela ya Kinshasa, bavanda na rive gauche ya rivière Lomami mais balobaka munoko moko babitude ndenge moko bayoka naka, c'est vraiment la même tribu mais moko ba se retrouver na Manyema. Retrouver na Kasai. O bazana Manyema bangona babengi bango bakusu. Donc Kisase Ngandu azalaki mukusu. Et puis après formation militaire na Lokando, Lokando ezali pembeni ya Kindu, akei ko participer na rébellion mouleliste ya Basimba ya 1964 na pembeni ya Nokonaye. Nokonaye nani ezali commandant en chef ya ba rebel ya 64 tomona kiango ayebani na kombo ya général Nicolas Olenga yazalaki commandant en chef ya armée populaire de libération armée ya Basimba to ya ba mulele ya tangwana. Donc Nicolas Olenga tango ako sala rebellion azali na bana nkasi ndenge balobaka na Kinshasa wa to ba neveu na ye mi balé o bazali ba kadogo na ye parce qu'à l'époque je pense que ça Sengando azalaki entre 17 na 18 ans. Kisase Ngandu azali na Nicolas Olenga mais Kisase Ngandu azalaki ye mokote kadogo mususu pe azalaki wana cousin na ye ayebani na kombo pe neveu ya Nicolas Olenga ayebani na kombo ya François Olenga Tete. François Olenga Tete na mikolo oyo akoya kokoma bayebiye na kombo ya général Olenga, général François Olenga oyo lelo azali commandant ya force terrestre ya FRDC et puis azali inspecteur général à FRDC. Donc François Olenga azali cousin ya Kisase Ngandu bango mibale bazali ba neveu ya Nicolas Olenga o azali ki commandant ya ba Mai Mai ya ba rebel Simba na 1964. Donc wana sikoyo tango babandi kosala basali rebellion wana toyaki komona ngo pe rebellion ya 64 et koya ko échoué. Tango échoué, Nicolas Olenga naba neveu na yo wana bakei kovanda na Soudan et puis bake na Uganda. Na 1976, Kisase Ngandu akei ko s'installer na Allemagne. Na Allemagne kuna o abandi ko kota akoti na université américaine ya Berlin oyo atangi ba classe kuna. Après akoya ko adhérer na mouvement na parti politique moko babengi MNC Lumumba mais branche to elle ya politicien moko ya poto ayebani mingi na poto komo na ye ona welo. Donc akoti na MLC Lumumba ona welo na 1989 Kisase Ngandu akoya ko sala connaissance to koyebana na beau-frère par hasard gare ya Berlin na Allemagne ayeko sala connaissance par hasard na beau-frère ya Museveni na 1989 et puis après ba ko invité beau frère on a ko invité à koya na Uganda et puis na 1990 Kisase Ngandu tango azongi na poto kuna na Allemagne ake ko créer lingomba na eba bingiango CNRD et la kisi Conseil National de Résistance pour la Démocratie na modèle o to mona ki Conseil National moko salamaki na 1963 o ezalaki ya ba Laurent Kabila na ba Gwenye na ba Soumialo CNL
Conseil national de libération, qui ça c'est un nous pas à cause. Souvenir n'est le qu'on a bangouana, il est pas créé Conseil national mexicain de résistance pour la démocratie. Donc a créé en 1990. Et année wana kaka aye na Uganda kokota na académie militaire oya kolanda ba formation to ba classe ya musala ya soda na Uganda. À partir de 1993, qui ça s'engando, na ba soda na ye to ba combattant na ye a bandi siko ba opération militaire na Congo to na Zaïre à l'époque wana na côté ya Rwenzori na Nord Kivu na bangomba ya Rwenzori wana a bandi bitumba à l'époque batubasoi baka ke ba mai ba ye bakate. En réalité, qui ça s'engandopé a bandi bitumba na kati ya mouvement na ye a kosala ba opération contre le régime à Mobutu à partir à 93 avec le soutien bien sûr ya Uganda. À l'époque wana dossier à Congo ezali traité na Uganda na quelques officiers ugandais to koyeko tanga bakombo na bango parce que to komona ba misusu bakoya kozala pe na influence na makambo za koleka na Congo na bambula sima ya liboso ba bengi ya général James Kazini. James Kazini azalaki chef d'état major général ya armée ya Uganda UPDF. Le colonel Jet azalaki colonel Jet azalaki le ki ya général Kazini. Et puis na major Ikondere, major Ikondere azali l'un des 26 compagnons ya lutte ya Museveni au bakota kané na Zamba na 1981. Donc major Ikondere akufa kipe akoya kokufa na Beni na 1999. Et puis peut-être mutasuka côté politique Uganda bande ko gérer ba dossier ya Congo kombo na ye Kaindo Otafiri lelo azali ministre ya justice na Uganda. Mais James Kazini tokoya komona ye akoya ko apparaître lisusu na 1998 na pembeni ya Jean-Pierre Bemba parce que yende akozala commandant ya contingent congolais au ya contingent ougandais au yaki na Congo et oyo Museveni atiaki na disposition pona kosunga Jean-Pierre Bemba na MLC na ibandeli ya révolution na biso. Donc to continue wana sikoyo ke to yebi entre 1992 na 1994 ba congolais ba kenai ko participer na bitumba ya Rwanda ya libération ya Rwanda to mona ki yango na ba émission elekaki. Et puis to ye komona ke ba ugandais mosusu ba congolais o ba botama pe ba kola na Uganda ba congolais ba botama ba kola na Uganda ba kota ki pe ba kenaki formation militaire à peu près 1,000 jeunes congolais ba botama na Uganda ba kenaki formation militaire na Rwanda ba koya kozonga bazala ki pe ba soda ya kisasa ngando ba koya kozonga na tangu ya bitumba ya AFDEL na 1996. Donc entre 94 et 96 1,000 de congolais o ba botama na Uganda ba kenaki formation na Rwanda ba koya pe okota na bitumba wana. Sikoyo pona kokene mbangu tomonaki le 18 octobre 1996 kisa sengandu a memi organisation na SNRD na kati ya AFDEL pe AFDEL et Salami. Azali donc parmi ba quatre fondateurs ya AFDEL. Mais sikoyo tango AFDEL le bandi kisa sengandu aza kosala ba meeting na ba réunion o aza ko sensibiliser ba jeunes congolais ba kota na kati ya armée AFDEL pona ko participer na libération ya mboka na bango. Batu mususu bazale kotuna ye me ndenge nini boye ko libere mboka boza kuyana bapaya ba Rwande aza ko rappeler bango alobi bobo sana tenga ina zali neveu ya Nicolas Olenga. Donc un grand nationaliste ya mboka oyo ngai pe nazali nationaliste na koki ko trahir Congo te même discours oyo muzepe abane ko tenir. Na mois ya décembre 1996 kisa sengandu asali meeting moko na Butembo. Na katikati tangu meeting wana ezali ko salama batu ba sutuki masasi ebetami ba mai mai ba atake meeting ba garde corps ya kisasa ngando ba iko kwele na nzoto ba protéger ye mais kisasa ngando a perdre quelques garde corps wana Butembo parce que ba mai mai bazalaki d'accord te na présence ya ba étranger donc ba Rwandais o bazale ko accompagner AFDEL. Donc déjà na mois de décembre 96 kisa sengandu abika kiliwa na Butembo. Toye komona yango lisusu toti komona yango du 31 décembre tu le 4 janvier kisa sengandu a participé na mwa mini congrès to conseil constitutif ya AFDEL oyo esalamaki na Goma pe ba désigné ye commandant en chef ya ba force ya AFDEL. Le 6 janvier
le 6 janvier 1997, où il y a une information dans les copains, on a trouvé un livre à Maman Brackman. Donc, le 6 janvier 1996, Kissa Sengandu a accueilli une mission d'inspection à Longwe Goma. À l'obina une mission d'inspection na ba ville wana ezali vers le nord ya Goma, c'est-à-dire Butembo, Beni, Batwakansa pe Akokoma na Bunya. Donc que mon congé mampingo azala ki désigné na Nafdel. Nafdel. Siko tango azokende convoi na ye, convoi ya Kisasa Ngandu ezala ki composé na 36 personnes, na parmi 36 personnes wana ba garde corps personnel na ye bazala ki 4. Si le cortège, le convoi, et comme il a entré, il y a parc, il y a Virunga, le convoi est Télémi, le commandant qui s'est Ngandu, le bétillé, le sassi na Moutou, le kouéi à Koufi, le garde du corps, le bangonion so 4, le bazaki, le boumi bangouana, le zui, nzoto na ye, na oya ba garde corps na ye, le sopeli yango essence, le batumbi yango na kati ya parc ya Virunga. Batu bazalaki komona scène wana ezalaki ba braconnier ya parc ya Virunga babomba na kisima ya matiti ya banzete nde bamona ki scène wana nde bayaki kobeta lisolo ndenge nini makambo elekaki tango bamoni yango epi bakimaki sikoyo honorable na kanisi bande ko batali balandi mwana mboka tomalo waka na bokebi penza biographie ya ndeko watika biso général Kisasa Ngandu akufi nani abomaki ye pepo na likambo nini Oyo ezali établi bato babomi Kisasa Ngandu ezali ba élément ya armée rwandaise c'est ba rwandais de babomi Kisasa Ngandu na kati ya park parce que depuis début ya mois ya janvier wana bamona ki officier rwandais moko donc officier ya APR kombo na ye colonel Jack Nziza nde a communauté responsable ya ko organiser ba escorte ya Kisasa Ngandu na ba personnalité nyonso ya Fidel. Donc muto a organiser ki cortège ya Kisasa Ngandu convoi ya Kisasa Ngandu azali rwandais comme on a Jacques Nziza ye muto asala ki yango bazali nde ko soupçonner ba ba soupçonner ka Jacques Nziza wana rwandais officier rwandais ye muto apesaka ordre ya koboma Kisasa Ngandu même si on parle d'un certain commandant Célestin Yemutu concrètement Yemutu abetaka Kisasa Ngandu lisasi na mutu Kisasa Ngandu babomi eponani tomona ki na ba mission uti koleka ke Afdel na ba alié na ye bazalaki na objectif misat objectif ya liboso ko panza bakan ya ba réfugié parce que koma ki ba sanctuaire to esika ya ko batama ya ba militaire to ba soda ya Hutu power to mona kiango na bande ko balanda kabiso ba yebi swarwana objectif ya liboso ya mibale ezali ko créer zone tampon to zone de sécurité tout au long de la frontière ya Rwanda na ya Uganda objectif ya misatu ya Fidel ezalaki ko combattre pe ko renverser régime ya Marshal Mobutu à ce sujet pour notre dernier objectif le 7 novembre 1996 Kisasa Ngandu asala ki déclaration oyo alobi objectif na biso ezali ya ko renverser régime en place na Kinshasa ezali question ya personne te ezali te que toza contre maréchal Mobutu ce n'est pas question d'individu ou de personne ezali problème ya volonté ya ko changer makambu tolingi makambu et changer na kati ya mboka oyo yango wana biso tozali décider tokokoma ti na Kinshasa s'il le faut wana déclaration ya Kisasa Ngandu le 7 novembre donc moni volonté wana ya ko renverser régime mais à partir ya mois ya décembre Kisasa Ngandu akoya ko découvrir que certains alliés na bango en particulier ba rwandais bazana ba objectif mususu ba objectif ya ko batama ba objectif inavoué bazo sera mama kambo c'est à découvrir yango à découvrir objectif misat à part oyo objectif déclaré a ko découvrir objectif misat objectif eliboso ba rwandais ba ina idée ya ko piller congo Kisasa Ngandu a découvrir yango ndenge nini par exemple aye ko mona ba militaire rwandais ba salisa ki bango ba bandi ko piller ville ya Goma ba bandi na résidence ya Mobutu ba piller o lelo ba benga ka musée to gouvernorat
ezalaka ndako mobutu na Goma ba pie yango mobutu ezalaka na ba caravane ba mobilom o ya kokena ngo sala tourisme bazu yango nyonso bazokati sango nango e frontière batu bazomona ko ya ko empêcher bango ezalaka te population ezomona donc ba constater nano ke bande ko na biso yo ba ina ide mususu voilà. Ba yibi bazo yiba ba télévision na ba biloko mususu bazokati sanango et comme butin même ba centre de formation mususu informatique ezalaki na Goma ba militaire rwandais ba pillé yango et puis domaine ya Katale domaine na Katale zaka plantation moko munene na pembeni ya Rumangabo ba kepe ba pillé domaine na Katale et même na kamoko banda ko benga ngo kan contingent na Goma na se ya mon Goma wana et sika lelo ekoma pembeni ya hôpital général ya Goma et koma lelo ki jeto état major à police nationale contingent za la ko na contingent de nini to mona ki yango ba militaire à DSP o ba koma ki na service ya HCR pona ko batela ba camp contingent zaïrois chargé de la sécurité des camps. Donc, qui gère ba DSP Zala Kawana, ba e ba koti na Kawana, ba piye bilo konyons. Wana ki sa se ngandu a remarqué ke bande kona biso yo, ba ye ko yiba. Quelque Rwandais, ba bandi ko justifié ba piye jwana ba lobi, non, biso ezali tozo rekiperende biloko bande kona biso ba Rwande ba refugié ba yaka na ngwana 94 yango tozo rekipere biloko na biso ba to lobi non wana ezali argumenté. Objectif yami bali qui ça c'est ngando a découvrir pas bali ba Rwandais en particulier bazali na ambition to na projet ya ko contrôler Afdel politiquement comment qui ça c'est ngando a remarqué que ba Rwandais baza bali babandi ko ya ko assister na kati ya ba réunion ya Afdel pe ko linga ko influencer ba décision na kati. C'est-à-dire qu'en principe, bah, quoi qu'il te quoi, c'est non, la, en la principe, Makamboye, c'est la Makamboye. La relation entre Balié. Balié, c'est la réunion na bino entre Bino. Afdel, c'est la réunion na ye. Ba Congolais, ba rêve, ba option na bango, ba zu ba décision. Ne ba ye, si koko kouta nana Balié, ba lobi talabiso, ba Congolais, tokanisi boye, Balié pe ba lobi, non, biso tokanisi, bo sangisi makanisi. Mais ce n'est pas normal que allié aya déjà na kati ya réunion na bino ya ba Congolais abandon ya ko soit peu parole ko linga ko influencer déjà ba décision na kati ya Afdel qui ça c'est ngando a remarqué ngo ke batoyo balingi ba contrôler organisation ya misatu objectif ya misatu ya ba Rwandais to ba allié en général mais en particulier ba Rwandais qui ça c'est ngando a ko découvrir que bazali na ambition to na projet ya ko contrôler l'état congolais mobimba comment ça bazana idée ba ya ko tia mutu na bango comme chef de l'état tango ba koma na Kinshasa bana idée que to ko tia mutu biso to ko contrôler akoma mu kondia mboka à travers ye biso to ko contrôler Congo donc qui ça c'est ngandu a découvrir makambo wana nyonso mais sikoyo problème ko ya ko se poser et causa la divergence d'approche entre Kissa Sengandu na Laurent Désiré Kabila. Nandenge nini honorable. Nandenge nini voici point de vue ya Kissa Sengandu. Kissa Sengandu tambo sali constat wana ba objectif ni sato amoni. Voici ba solution Kissa s'a proposé. Kissa so lobby na moment oyo ndenge tozali kaka awa. Il faut déjà to diminuer influence ya ba Rwandais na kati ya fonctionnement ya Afdel. Il faut to diminuer ango. Deuxièmement, à lobby, il faut que combattre le pillage. Il y a ba alliés na biso. D'ailleurs, à ceux qui m'ont accroché, moko na bunya, na ba alliés, au ba yaki na ba notion un butin de guerre. Or ya kilomoto, hein, ba trouva ki quelqu'un d'or na kilomoto, ba alliés ba lingi ba kene nango ki ça c'est aboyi et ça là qui m'ont ba incident. Il y a lobby makambu entre alliés makambu ba butin de guerre et zalakate. Il y a mis ça tout. Idée a mis ça tout. Qui ça c'est nando? Qui ça c'est à considérer que sur le plan militaire, libération à Congo et faut salama essentiellement na ba Congolais bango moko. Donc il faut te recruter ba Congolais mingi bango nde il faut ba le kaliboso ba bundela mboka na bango au lieu ba allié na ba Rwandais ba le kaka na liboso pona bitumba wana. Déjà na Goma, na Butembo, qui ça c'est nganda zali ko déclarer na kati ba meeting na libanda boya ko bata mate. Kisa senganda za koloba ke ba Rwande ba yaki pona kosalisa biso me na suka ya bitumba tangu tokoma na objectif bango nyonso il faut ba zonge pa na bango publiquement publiquement
siko ba discours wana na attitude wana kisase ngandi ibandai ko sepesa ba rwandete yango wana bazoki decision ya koboma ye koboma kisase ngandi wana to tuko yoka makanisho kisase ngandi azraki na siko ya muzelo Laurent Désiré Kabila azraki ni Laurent Désiré Kabila aza d'accord na analyse ya kisase ngandi ba alien na biso baza ba miyibi aza d'accord baza na ambition ya kosala boye baza na projet ya kosala boye. Laurent Désiré Kabila est tout à fait d'accord na constat wana na analyse wana. Mais divergence c'est quoi ko ta pona nini? Laurent Kabila a lobby, il faut que ça la distinction. Ko ça la distinction a nini? Ye eloko moko ba la kisaka na matérialisme dialectique ba téléspectateur na biso ba bangate na ko expliquer matérialisme dialectique ezali philosophie moko to enseignement moko o bazali ko la kisabiso ko distinguer biloko mibale. Il faut qu'on distingue, qu'on sale à la part des choses entre la contradiction principale et la contradiction secondaire. Et la kisini. Nakati abitumba, une guerre révolutionnaire, il faut qu'on paie sa priorité. La contradiction principale, ouezaï nakati abitumba. C'est seulement ce qui vont longi. Contradiction principale, wana, bokoya ko zonge la siko yo kobundisa contradiction secondaire. Donc, il faut d'abord couper sa priorité. Yango la kisike parce que na bitumba ba classe biso tanga ya mwa bitumba ba la kisa biso boye ba déconseiller kanakati ya bitumba eza la guerre révolutionnaire to eza la guerre classique. Il est fortement déconseillé ya ko fongola front mi balé to misatu to ba front ebelé mbala moko oko disperser ba effort na yo pe ozali na risque o échouer. Donc il faut qu'on concentre ba effort na yon objectif moko. Wana analyse ya Laurent Désiré Kabila. Ezalo ko ndenge bakolo balabaka mboza kana makolo mine mais atamba kana onzira moko. Tout à fait. Donc si ko na ka espèce wana na pesina no théorie. Na ka ya espèce ya Afdel. Laurent Désiré Kabila lobby et qui ça c'est ngandwe d'accord. Quelle est la contradiction principale? C'est les combats contre le régime de Mobutu. C'est ça la contradiction. Priorité na biso ezali kobunisa na Mobutu. Contradiction secondaire ezali siko attitude to comportement ya balie na biso. Tomoni ke bazama miyibi. Mais il faut to landanan okoyi kobunisa kobufungola from yibale mbala mokote. Obunisa Mobutu obunisa ba Rwanda. Eko simbate. Donc il faut to bananano ko s'attaquer na contradiction principale. Yango ana alobi parce que tangu Laurent Kabila alobi. So ki ba alie ba sali si biso, parce que biso moko, toza ina makoki ya kolonga maréchal te, toza na besoin ya soutien militaire ya ba Rwande, toza na besoin ya soutien diplomatique na bango. Ye baka ke ba Rwande, ba Ugande, bako mima soutien États-Unis. Bill Clinton aza président. Bill Clinton aza na problème ya conscience a stopaka génocide ya Rwanda te. Si kwe koma ko sala ene tia lala kabiente, so ki Rwanda zana besoin loko ayaka ko servi ba mba la moko, paske azana probleme ya conscience, ndenga stopaka genocide. Donc, ba probleme wana eza ko peze, se ki feke ba Rwande, baza ko yana soutien ba Amerike na katia bitumbo. Ba bi Laurent Désiré Kabila, sans le soutien diplomatique ya ba alie na yo, o baza ko yana ba Amerike na ba mboka msusu, sans le soutien militaire ya ba alie na yo, buku wate ba kadogo ba koka despete. Hein bakadogo bayaki wa usanga mona mumwana babuti ambula wana babuti ambula mundu keleke munene bapetwa kwa wao kimsa ba DSPT bakoye ko bunda na ba mercenaires donc tozano na besoin ya ba alliés. Donc ça c'est l'approche ya Laurent Désiré Kabila. Donc voilà divergence o ezali ko salama parce que Laurent Kabila zali conscient que sans l'appui de ses alliés l'AFDEL n'ira pas loin militairement et diplomatiquement. Après, Madame Brakman a sali analyso. Alobi non. Revendication ya kisase ngandu d'un point de vue nationaliste. Ezali légitime. Kisase ngandu azana souci wana yambo. Mais alobi ke d'un point de vue militaire et diplomatique, l'analyse de kisase, la revendication de kisase est contre-productive. So ki direction politique ya Afdel, et l'andaka point de vue ya kisase. Nde bazoka ta kisangani. Donc ke to bengana ba Rwandais. To bengana ba Rwandais to sila na bango, to recruter ba Congolais, to former ba Congolais, to bunisa maréchal. Donc Colette Brakman a lobby non, probablement rebelouana ilingaki ekenango musikate linge komata na kisangani. Donc voilà
ndenge contradiction divergence d'approche ezala ki entre Kisa Sengando na Laurent Désiré Kabila okoya ko mona siko Laurent Désiré Kabila na logique na ye yako sala par ko distinguer contradiction principale na contradiction secondaire tangu régime ya Mobutu Kokoya afdele commune à Kinshasa Laurent Kabila considère que on a réglé le problème de la contradiction principale toba luka sikoyo na contradiction secondaire o ekomi contradiction principale yangwana Laurent Désiré Kabila ko yakosenga ba Rwanda ba bima na Congo bazonge pa na bango malheureusement pona ye contradiction secondaire en comme contradiction principale et ko yakosusciter bitumba mususu bitumba RCD mais wana na ntokomi kunate na kanisi bande ko batali na chapitre penza bo sepedi bo zake bele babandaki kozela histoire ya général Kisa Sengando akufa ki apepe na ba age ni yolo Kisa Sengando na kanisi akufi na ba 47 48 ans Kisa Sengando akufi azali moto mais mouvement quand même et continuer ki misana yango non suite mouvement continuer ki bitumbe continuer et wana sikoyo tomoni après liwa Kisa Sengando événement mususe ko yako leka tomona ki Kisa Sengando akufi na moi na mois de le 6 janvier 1997 événement mususu munene ekoya ko changer elongi ya bitumba ya Fidel ezali entrer ya Angola ba angolais bakoya ko kota na kati ya bitumba ya Fidel makambe bandaki na parti est ya Congo démocratique honorable Angola zali na kote ya ouest mais ayaki ko kota na bitumba na ndenge nani a invité ki Angola na na kati ya masolo wana. Bon, déjà, il y a une photo là-bas, contrairement à moi, opinion, campagne, moko y a la kamene, ou bala ki saka ke non, ma kambounyon so oyo, ba rwande moutouba sala ki bitumba Afdel, non, c'est faux. Un pays qui a beaucoup contribué na kati ya bitumba Afdel, ce qui bango ba kota kite, nan dimite ke même ba rwande ba lingay ba koma penda musika, c'est l'Angola. Angola a joué ki rôle moko déterminant, to komona yango, na kati ya bitumba Afdel. Mobutu, grand analyste politique, à partir du mois de décembre, Mobutu a conscient que Bitumbo na sa kobundana est menace moko ezali awa ezali armée Angola. C'est l'une la meilleure armée de la région. Mobutu a lobi, il faut na sala quelque chose. Na mois de décembre, Mobutu a zui atindi mwana na ye. Bon, je ne sais pas ba Angola ba bisinga mwana batangela nga kombo na ete. Mais je pense que koyeko zala nzanga. Ou Manda Mobutu, mais probablement, Saddam Hussein, Kongulu, mais probablement pour moi c'est Nzanga. Donc Mobutu a dit ni moi na en Angola qui n'occupe pas Angola. A qui n'occupe pas, moi na maréchal a qui en Angola na décembre, qu'on proposait Bango un accord politique, accord Angola lobi ni. Maréchal a lobi na Angola boule, na Dos Santos. Na kosenga na bino, boza la neutre, boko tana bitumba ote yunga na zeli kubuna na este kuna. En échange et en neutralité nabino ngai na s'engager kotika na ko soutenir lisusu sa vimbité donc na kotika sa vimbi makamuna bino Angola nga na okota lisusu te donc wana message maréchal atindi kuna me ba angolé ba yoki message a maréchal secrétaire général a MPLA komo na ye Lopo do Nascimento Lopo do Nascimento alobi maréchal ayeko bete ayeko tindi biso mwana na ye yebiso message wana mais on n'a pas cru, ton imam qui était que maréchal Azali sincère. De l'objet type ou elinga ko sabiso de sous, n'enga mesana ko sabiso. Pour nanini. Parce qu'à la même époque, loin d'azan information comme quoi, et Honoré Mbanda a confirmé Ango, que Mobutu a tindi même une autre délégation na Bailondo. Bailondo Azali quartier général ya Savim, na Angola. Pona ko senga ili sungi. Donc atindi mwana na ye na Luanda. Na Luanda. Pona ko yebisa bango boza la netre. Na za ko tika sa vimbi. Ngana sa vimbi tozo sila na. Boko tabitumbote. En même temps atindi delegation mususu. Na epa sa vimbi ko senga ili sungi. Sa vimbi akota na kati abitumba on. Donc wana bangole bandimi eloko wanate. Mais deja bangole bazala ki kontakte. Tangu ka bitumba afigele bandaki. Laurent Désiré Kabila a zo ki contact na bangolais à travers camarade na ito mona ki yango un homme d'affaires très prospère avant na Paris comme on a Victor Mpoyo. Victor Mpoyo a zaki na ba contact na malamu na bangolais a contacté bangolais abino il faut boya ko sunga biso ba rwandais bango moko ba zo ki contact na bangolais na ba ougandais donc ba contact zo ma ki déjà mais Dos Santos a lobi bitumbo yo ngana kokota te
que nanu namoni na yebi ba rapport de force ezali tenenge nini et puis na yeba ba véritable objectif ba Rwanda ba Uganda Afdel Laurent Désiré Kabila ba lingi nini il faut non namona moi clair po na yeba soki na kokota ou bien na kokota bitumba te donc as une moitié observation si ko pendant ce temps là na mois janvier 1997 Dos Santos akoya potinda chef ya maison militaire na ye babengiye général Vieira Diaz Kopelipa akena Bukavu et Dos Santos alobi kene na Bukavu kuna yomoko olandana no situation sur le terrain Kopelipa général Kopelipa komi na Bukavu akovanda pendant 3 semaines wana na Bukavu pona ko observer sérieux ya Afdel na mouvement oyo ba allié yena balié na bango bazali ko sala général Kopelipa na Bukavu wana ndekona mususu angolais ayeko rejoindre ye tomoni ye le secrétaire général a MPLA kombo na ye Lopo do Nascimento le bangolais wana bango mi bale ba fani na Bukavu bakoya kosala constat ba constater biloko mine biloko yango ezalaki nini na wa yaliboso bamoni ke Laurent Désiré Kabila azali réellement décidé ya kokende kokoma ti Kinshasa ko renverser maréchal parce que bamona ki Hermo Kozaki na ti mo aventure pendant 3 semaines bazali ko sonder ye ko tester ye ba su décision baza convaincu que Laurent Désiré Kabila azali vraiment décidé ya ko renverser maréchal yami balé constat yami balé balo bamoni ke armée ya Mobutu ezali susu na posa ko bundate balingi ko bundate yami satu ba seul militaire ba troupeau ezali ko bunda contre ba force ya Afdel ezali ba ex phare to ba militaire rwandais ya Biarimana constat ya mine Mobutu na batu na ye bazali toujours en alliance na Savimbi donc ba deux angolais wana général Kopelipa na Dos Nascimento bakoya ko recommander na Dos Santos balobi bitumba oyo il faut tokota yango parce que epesi biso occasion to sala coup double yango nini ya liboso eza occasion to beta la fameuse armée secrète ya Savimbi poto comprendre loko yango ba négociation salama na Angola bandimaki ba intégrer ba militaire Savimbi apesa ba militaire na ye Savimbi apesa ba ministre bazaki na loi na kati ya gouvernement mais sikoyo batu nyonso ba wande ko soupçonner que Savimbi apesa ba soda na union sauté atikala na une armée secrète banda ko benga ngwa armée secrète abomba kango ba angolais ba koka ko découvrir ngo te balobi non comme siko Savimbi ayeko kota makambo mubutu na Zaire na Congo ezali biso occasion siko to banza to beta armée na yona tikala nango to pousser à la reddition à déposer ba arme donc objectif nango ali boso la bi c'est une occasion yami balé raison yami balé Kopelipa na Dos Nascimento ba ibisi Dos Santos le moment est venu Mobutu a futa masum ya mabenyo so ya sala biso na Angola ou a déstabiliser biso des années donc moment ya revanche komi il faut biso sikoyo tosi la nana maréchal pour nandenge abandaki ko déstabiliser mboka na biso et d'ailleurs juste pour na ko anticiper to komona yango pendant ba négociation c'est les angolais mutu babande ko entêté Laurent Désiré Kabila a négocier loko mokote andi meloko mokote donc ce ko mona ki Laurent Kabila neti na uteni kami balé aya kité parce que ba angolais ba yese que ce n'est pas la peine ya ko solana mutu wana il faut akende donc c'est eux qui ont entêté Laurent Désiré Kabila na radicalisme ils ont radicalisé parce que pour na bango il fallait absolument basila na maréchal Mobutu honorable masolo yango zele kitoko mingi ndenge bana Congo ba se prakana yango kasi namoni tuko tambola sima na tango est-ce qu'à part Angola Uganda na ba pays mususu quelques pays africains mususu bakota ki masolo a Afdel te pona kosunga bango non ba pays mususu ekota ki me peut-être avant tout mon ba pays wana tota na évolution ya justement ya kokota ya Angola élément déclencheur oyé ko sala ki bangolé ba ekozwa décision na bango rapidement pona kokota ezali que na mois ya février né début février 1997 ba mercenaire justement to komona bango ba mercenaire serbe oyo Mobutu a recrutaki ba eko bombarder ville ya Bukavu wana Kopelipa na Dos Nascimento wana bazana Bukavu balobi makambo yango ekomi kozwa proportion mususu il faut to kota donc eko pousser ba angolais ba zu décision ya kokota na bitumba mais déjà
à partir du mois de janvier, en prévision que Tokoi Kokota Bitumba à Congo, janvier 97, ba Angolais, ba Bengaki, ba Congolais Nyonso, Oyo, ba Sala armée na Angola. Ba ex ba benga ba ex gendarme katangé na en réalité bazali bana ya ba ex gendarme katangé ba koma obenga on ba tigre ba rappeler bango bazali ki ba démobiliser ba rappeler bango bazonga sous les drapeaux donc ba congolais bazui bazongi ba bandi ko soit entraînement ya reconditionnement ba bandi ko pesa bango na ba arme li solango ya ko yeba na ndenge nini madame Marion Camara azalaka représentante ya HCR au conseil aux réfugiés, il y a Nations Unies, na Luanda, a commis Mukanda moko na mois février 97, a commis Mukanda na PAM, Programme Alimentaire Mondial, pona ko senga bango, ba suspendre distribution ya ba aliments, ya biloko kolia, na province oyo ba réfugiés ba commis ko sala formation militaire. Donc bo pesa bango lisu biloko kolia te, ba sa ba réfugiés souté ba commis ba militaire. Donc c'est comme ça te ba kike, ba et gendarme katangé basi babandi kolanda ba entraînement kuna pona ko se préparer bituba à Congo et puis tango formation na isili bakoya ko intégrer bango na 24e régiment ya ba troupe spéciale ya Angola et puis à partir ya entre les 11 et les 13 février 97 pont aérien to ba voyage ba vol et bandi ko salama ya ba Ilyushin chine ba na minene bangolé ba zaka nango ba bandi ko mema ba soda ba memi à peu près 2 à 3 000 tigres ba memi bango de Angola ki ba yena bango na Kigali na Kampala à partir ya Kigali na Kampala donc ba tigre wana ba tango ba kiti na Kampala na Kigali ba kozwa nzela ya mituka ba zumi mituka ba yena Goma tina Bukavu vers fin février plus de 2000 katangé gendarmes katangé bazali logé na Bukavu na Kansayo contingent congolais wana uti Angola ezali commandé par des officiers congolais moko babengié le général Mulanda général Mulanda ezali chef d'état major général ya ba tigre et puis général Kafundanga donc bangonde bazali ko superviser ba contingent ya ba tigre wana to ba congolais au Bauti Angola. Ba contingent ba tigre wana ezali très bien équipé, mieux armé que le militaire ougandais, le militaire rwandais. Do bazali penda bien équipé ba ki na biloko ya moto et puis ba kokende ko déployer bango na Isiro. Isiro ekoya ki le 13 février, ba ke na bango kuna ko remplacer deux brigades ya ba ougandais o ebanda ko évoluer na province orientale, Museveni alobi ye alingi ko s'éloigner na ba frontière na yete. Donc ba contingent angolais wana to ba congolais ba outi Angola ba koya ko s'installer na Isiro et puis c'est à partir à Isiro nde ba ko préparer sikoyo attaque pe libération ya Kisangani non pays mususu se kota to za kompana angolais koti Rwanda zalaki wana ba Uganda bazalaki boka mususu ambi parce que à un moment ba kuna les Zambia ko to mona na mission par exemple Zimbabwe, pèse avance. Il y a un bon cas qu'on a fait pour besoin parce qu'il n'a pas d'opération. Et puis à Tinda Kisuku Masangu, il est quoi pour la bataille. Et puis Namibie Potaki et Bangoni Tindi ba Kayabu et ba quantité belle Kayabu Koya. D'ailleurs, ba avion il est quoi Zimbabwe, Namibie, et c'est là ba avion congolais. Bangolé Bangomoko tantos abandé kanisa ke oum et comme la penza alobi a commanda ki emi yparation na prévision bitoko ko zamulai et pes ponai bango koti na bitba koti evri et nare lo balina bande ko batali bisi bongo maso ata je kone le bongo ya lelo na kanisi ka bisi bonda so bo sepeli honorable Thomas Carlos Njola le Congo la cobette est pas dango oui c'est petit penta bana nyoso ngo de mabati le de tombe boto singing et bon weekend zamba pambo la bino nyoso merci beaucoup toto boto bino passe boto ki ba ko landa dito a Kisangani Lubumbashi ka ni Kolwezi Bembo na
Nigeria, Angola, vous allez voir les choses, 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 v